de la nuit tombe. Yahweh, Yahweh, béni sa nuit tombe. Yahweh, Yahweh, batte la nuit tombe. Très heureuse de vous retrouver pour une première sur ma bannière télévision. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. 5 mois déjà depuis le début de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, le Sénat a entamé ce jeudi 23 septembre 2021 le processus de l'évaluation de l'état de siège décrété pour mieux engager la lutte contre les groupes armés rebelles. Les détails, c'est dans un commentaire de Roger Moussa. La Chambre haute du Parlement congolais a débuté le jeudi 23 septembre 2021 la procédure de l'évaluation de l'état de siège décrété dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu depuis mois de mai dernier pour lutter contre les massacres des civils. 5 mois après, le moment est plus que suffisant pour étudier l'évolution de cette mesure exceptionnelle et en tirer les conséquences. Au cours de la plénière du jeudi 23 septembre 2021, 4 membres du gouvernement, dont le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, le ministre de la Défense nationale, le ministre des Finances et le vice-ministre de la Justice, mais aussi les responsables de l'Agence nationale de renseignement ANER et la Direction générale de migration DGM, ont été auditionnés. Après cet exercice, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a accordé un moratoire au gouvernement pour fournir des explications claires sur la gestion de l'état des sièges. Jusque-là, la situation sécuritaire reste inquiétante en Ituri et au Nord Kivu. La société civile dresse un bilan de plus de 700 civils tués par les rebelles depuis le début de l'état de siège. Notons qu'au cours de cette même plénière, les sénateurs ont adopté le calendrier de la session parlementaire de septembre, essentiellement budgétaire, avec des programmes de contrôle parlementaire. L'inspection générale de finances IGF totalise déjà 34 ans d'existence depuis la date de sa création en septembre 1987. Les 2 dernières années ont suffi pour reconnaître la valeur de la nécessité de cette institution dans la lutte contre les antivaleurs, pour la consolidation de la bonne gouvernance. C'est un dossier de la rédaction. Créée en 1987 lors des réformes du ministère des Finances, l'Inspection générale des Finances IGF est devenue l'un des services vedettes du pays pour les travaux abattus pendant au moins 2 ans, soit depuis l'accession de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême du pays. Longtemps étouffée, l'IGF a retrouvé sa valeur et sa vraie mission grâce au soutien et à l'accompagnement de Félix Tshisekedi et à la nomination de Jules Alingué Tekei au poste de l'inspecteur général et chef des services qui a multiplié des stratégies contre les criminels économiques. Vous avez une mission noble, le contrôle supérieur des biens et finances publiques de la République. Vous contrôlez les biens de la République, les maisons de la République, les véhicules de la République. Comment on a acquis, comment on a affecté, à qui? Vous contrôlez les finances publiques de la République dans son sens le plus large. Les finances, les pouvoirs centraux, les entreprises du portefeuille de l'État, les entreprises d'économie mixte, les fonds publics relevant des provinces, relevant des entités territoriales décentralisées, toutes les finances publiques, c'est vous qui devez faire ce travail-là. Grâce à ces stratégies, l'UGF inquiète des gestionnaires des entreprises publiques, de ministres, gouverneurs de provinces, animateurs des entités territoriales décentralisées avec la patrouille financière et les missions de surveillance des fonds publics. La caisse du trésor public est bien nourrie. Plus de 3 milliards de dollars des réserves d'échange internationales et un accroissement considérable dans la mobilisation des recettes, un record jamais vu. En juillet dernier, les cadres de l'IGF ont eu les médailles de mérite civique pour encourager ces travaux de titan. Grâce au dynamisme de cette institution, les politiques peuvent désormais changer de comportement dans la gestion de la chose publique.
Sauf changement de dernière minute, la retransmission en direct de tous les programmes de Mabanière Télévision prévus ce samedi 25 septembre 2021 dans la ville de Kinzamvouété à 60 km de Matadi est bel et bien maintenue pour démontrer sa capacité d'exploitation quel que soit l'endroit. Nous allons suivre donc les propos du directeur des programmes, Chamboui Batoubeng. Je confirme la tenue du programme dès demain à Kinzamvouété. La retransmission en direct sur ma bannière télévision comme sur ma bannière FM, aussi sur les réseaux sociaux Facebook et YouTube, l'événement planétaire va se passer. Ça, je confirme que demain, dès 10h jusqu'à 16h, nous serons à Kinzamvouété. Nous allons faire le programme ordinaire, mais avec un cachet spécial. Ma bannière chez vous, notre programme où il faudrait tout d'abord faire le solo à Wenze, connaître le prix du marché, tout ce qui se passe sur le marché, ça va se passer. Il y aura Kizunga Yabeto, connaître comment on vit dans la société. Et il y a aussi des invités, on va recevoir plusieurs personnalités. Et il y a une grande émission que moi-même je vais présenter avec l'administrateur des territoires de Sekebanza, l'entretien spécial, on va réaliser avec lui. Et il y a aussi la réflexion des rédactions. Vous savez que ma bannière télévision a le programme bien connu des réflexions des rédactions. Mais cette émission va se passer en direct de Kinzamvouété, où on a déjà lancé des invitations aux journalistes locaux. Donc les médias qui prestent sur place, ils vont être avec notre journaliste pour présenter la réflexion des rédactions. Et après, il y aura aussi les sports, on va contacter, on va visiter, et il y aura des comédiens. C'est déjà plusieurs activités qui vont se passer et qui vont faire que la journée du 25 septembre 2021 va être bravée et bien gravée dans l'histoire des Kinzamvouété. Toujours en province, les agents et cadres de la cimenterie nationale de Kimpessé souffrent de 150 mois d'arriéré de salaire. Les députés nationaux Papi Mantezolo et Nelly Mwinga ont porté la voix de ces agents au ministre du portefeuille. C'est un reportage de Pacifique Mwanda. Conduite par deux élus nationaux du Congo central, une délégation des notables du territoire de Songololo et un échantillon des agents de la cimenterie de Kimpessé Sénat a été reçue par la ministre d'État, ministre du portefeuille Adèle Kaïnda, le mercredi 22 septembre 2021 dans son cabinet de travail à Kinshasa. Les paiements des arriérés de plus de 150 mois des agents de la cimenterie de Kimpessé Sénat a fait l'objet de cette rencontre. Ces travailleurs vivent une véritable galère. Plusieurs parmi eux ont déjà perdu la vie à cause de cette situation calamiteuse. Des familles disloquées, des enfants déscolarisés. En dépit de tout, les agents de cette entreprise de l'État sollicitent ne fût-ce que 3 mois de salaire pour la reprise des activités dans cette entreprise qui hier donnait vie à la cité de Kimpessé. Consternée, Madame le ministre d'État, ministre du portefeuille, Adèle Kaïnda, a réagi au sortir de ces échanges. Société civile, chef coutumier, députés, experts, tous, levons-nous ensemble pour que nous puissions relever Sénat. Moi, à mon niveau, je vais m'investir pour apporter une contribution salutaire à Sénat, que Sénat soit aussi enregistré dans les entreprises qui seront dites commerciales. Et parlons aussi de la route Ntsumbi dans le territoire de Sekebanza qui se dégrade au jour le jour malgré son importance dans l'évacuation des produits agricoles vers les centres de commercialisation. La population s'inquiète donc de la saison pluvieuse si le projet de réhabilitation de cette route reste dans les tiroirs. Reportage. La modernisation du réseau routier contribue non seulement au développement de la région, mais aussi à la lutte contre la famine. Plusieurs routes de dessertes agricoles dans les Congo central profond sont en souffrance. Les cas de la route Nsumbi, traversant la région de Sekelolo dans les territoires de Sekebanza au bas-fleuve, qui sombre dans un état d'impraticabilité. Plusieurs biens sont produits localement par les agriculteurs, mais son évacuation demeure donc un parcours de combattants. Les usagers, les commerçants et les paysans pleurent ensemble.
Dans ces territoires, les produits agricoles sont en abondance, mais pour les sortir, c'est un grand problème. Les véhicules passent parfois 2 semaines pour évacuer les biens à Matadi. Pour transporter ne fût-ce que 1000 verres d'arachide à bord de la moto, nous payons 80 000 francs congolais. Que les autorités puissent réhabiliter cette route, car les foufou, arachides et autres produits que nous vendons à Matadi proviennent d'ici. Nous travaillons très dur dans l'agriculture, mais l'évacuation de nos produits cause problème. La première voie de communication a toujours été la route, mais chez nous, ce n'est pas le cas. On ne comprend pas le travail qu'est fait notre gouvernement. Cette difficulté majeure de l'évacuation des produits se répercute directement dans les quotidiens de la population, notamment avec la hausse des prix des biens des premières nécessités sur les marchés. En dehors des frontières de la République démocratique du Congo, Burkina Faso, plus d'une 50 000 de personnes ont quitté le nord du pays suite aux menaces terroristes depuis fin 2015. La situation humanitaire des déplacés reste alarmante. C'est donc un élément de nos confrères de TV5 Monde. Suivez. Mahamadi et sa famille sont arrivés à Waïgouya en avril dernier. Ils ont dû fuir leur commune située à une trentaine de kilomètres d'ici, qui avait été une nouvelle fois attaquée. On a souffert pour venir ici. On a vraiment souffert. Dans notre fuite, on n'a pas eu le temps d'emporter nos biens ou de la nourriture. Il a fallu attendre un mois avant de recevoir les vivres. Les vivres, 250 kilos de maïs et de riz par ménage. Pendant des semaines, la famille dormira dehors dans cette cour ou dans des maisons en construction pour se protéger les jours de pluie. Il y a moins d'un mois, Mahamadi reçoit enfin 2 abris faits de bâches et de tôles. Vous fuyez, laissant derrière vous vos vivres pour venir ici afin d'être aidé. Ceux qui nous aident, ils font de leur mieux, mais c'est insuffisant. Comment faire ? Cette année, en plus, la saison des pluies n'est pas bonne. S'il y a moins d'aide, ce n'est pas l'insécurité qui va nous tuer. C'est la fin. Un peu plus loin, dans le même quartier, Aliseta a aussi trouvé refuge avec sa famille. Elle dit avoir rapidement reçu les vivres de l'État il y a 3 mois, des vivres terminés depuis plusieurs jours déjà. Nous sommes tristes. Nos vivres sont épuisés, mais on ne sait pas quoi faire pour en retrouver. Personne ne nous dit rien. Si rien n'est fait, ce sera très dur. Certains enfants vont sur les sites d'orpaillage, d'autres vont travailler dans des carrières. Parce qu'on ne peut pas tous être là, assis, à ne rien faire. On n'a pas le choix. Récemment, certaines ONG travaillant au Burkina Faso ont interpellé le gouvernement sur les délais d'enregistrement et de prise en charge des personnes déplacées, jugées trop longs. Elles demandent à ce qu'on les laisse intervenir dans cette phase d'enregistrement. Et en sport, la Ligue nationale de football, 27e édition. 3 formations se partagent le fauteuil de dauphin de la jeunesse sportive Banzano de Lubumbashi, leader avec 6 points après 2 sorties, cela à l'issue des 2 rencontres au programme ce vendredi 24 septembre 2021, soldées par des nuls avec but à Bukavu, autre le FC Étoile du Kivu contre l'AS Vita Club de Kinshasa. 1 but partout et 100 buts dans l'opposition AS Dauphin Noir face au FC Renaissance du Congo. Ainsi donc, avec 4 unités, Vita Club et Étoile du Kivu sont 2e du classement avec le CS Don Bosco de Lubumbashi. 15 matchs sont déjà organisés depuis le début de la nouvelle édition de la Lina Foot pour 18 buts inscrits, soit une moyenne de 1-2 buts par match. Voilà, amis téléspectateurs, c'est donc par ici que nous mettons un point final à cette session d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Ce journal a donc été réalisé par Jefté Balumbu, présenté par Francine Voulet, évidemment. Je vous remercie de nous avoir suivis. Restez donc branchés sur les programmes de Ma Bannière Télévision. Prochain rendez-vous, c'est donc la semaine prochaine peut-être. D'ici là, portez-vous bien et bonsoir chez vous.